Et sinon, toi, tu rentres quand au pays? 4 mois encore. 4 mois? Eh ben putain, je te plains. 4 mois à tirer encore dans ce pays de merde. Et moi, normalement, je devrais rentrer d'ici 2 mois. Je devrais avoir 2 semaines. Mais bon, comme d'hab, l'armée va me rappeler au bout de 5. Ouais, normal, quoi. Normal. Toi, dis donc, tu es un des bons éléments et que je suis fiable comme lieutenant, quoi. Ouais. Mon cul. Tu parles. C'est juste qu'il y en a trop de morts. Mais dernière, il y a encore un capot qui s'est fait exploser par une grenade. Oh putain. Et dans la seconde section, ils se font péter un char là. Semaine dernière encore, ouais. Trop fort les mecs. On leur donne des Abrams, si ça peut s'en servir, ils se font exploser quoi. Ouais, ils sont débiles aussi. Ils s'incrustent dans les petits virages là et tu m'étonnes qu'ils sont chiqués là. Ces virages à la con après c'est une flèche. Mais putain. C'est des nids en embuscade. Retourne-le. Ah, c'est derrière. America. Il a rien, c'est bon. Ok. Assis. Je peux pas, ma jambe. Assis. Tu me couvres. Je le prends. America. Moi, ami américain, résiste du pays. C'est toi un peu. Grandement, on a besoin d'un médivac. Je répète, on a besoin d'un médivac. On a un civil blessé. Ok, bien reçu. Le médivac sera là bientôt. Ok. America. Aidez-moi. Hein? Trousse de secours? Ouais. Ma jambe. J'ai mal. Américain. Ouais, c'est lui, bien. Ouais. Là, par contre, on va dire bon bonheur. Hop là! Ça devrait faire l'affaire en attendant le médivac. Ok. Lance le fumigène. Ouais. 5 minutes. Courons pendant que j'allume. Je vais envoyer la fusée de détresse.